Salut tout le monde, c'est Tankazu. Juste pour vous faire une petite vidéo annonce parce que non, je suis pas mort, j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps, je suis bien au courant. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire dans cette vidéo? Pourquoi vous allez rester sur cette vidéo? Alors, tout simplement parce que je vais vous parler de mon projet pour ouvrir beaucoup de portes pour ma chaîne YouTube. Ouvrir beaucoup de portes, c'est-à-dire l'agrandir un maximum et très efficacement. Ensuite, je vais vous parler de mes vidéos, où ça en est, tout ça. Ensuite, je vais vous parler de la team, où elle en est, et du site, parce que je vais faire un gros changement dessus. Donc, au niveau de ma chaîne YouTube, je vais l'agrandir. Je vais l'agrandir. Oui, comment? Alors, tout simplement, en fait, parce que je vais l'agrandir en mettant les vidéos en anglais. Je ne parlerai pas anglais forcément dans les vidéos, mais je ferai comme Ungunagne. Ungunagne. Je ferai comme lui. C'est-à-dire, il est français, il fait des vidéos, mais il met des petits. Il parle français des fois dans ses vidéos, mais il met des sous-titres anglais. Pour. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est faire ça. Des vidéos beaucoup plus travaillées, tout ça. Donc, une par semaine. Je serai le genre de youtubeur qui met une vidéo par semaine, hein, qui seront très travaillées. Chaque semaine, j'ai travaillé sur une vidéo, en fait. Parce qu'il y a des genres de youtubeurs qui mettent une vidéo tous les jours, mais c'est pas forcément travaillé. Il y en a d'autres qui prennent du temps à faire des vidéos, et quand il y en a une, on est pressé de l'avoir vu qu'elle est bien travaillée. Donc je serais plutôt le deuxième type de youtubeur. Donc je vais faire des vidéos en anglais, ce sera le sous-titre en anglais, mais l'anglais sera accessible, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau super élevé pour comprendre ce qu'il y a écrit. De deux, je vais plus monétiser mes vidéos, mes dernières vidéos, parce que ça me sert strictement à rien. Hein, étant donné que si je clique dessus, vous allez voir les revenus. Ils viennent principalement de quoi? Je vais y arriver. Les revenus viennent exactement, viennent tous du comment configurer, comment créer un serveur, comment configurer, comment créer un serveur, comment Minecraft PVP. Voilà. Donc les dernières vidéos là, je vais les laisser monétiser. Mais si je monétise une vidéo, c'est que je pense qu'elle va monter en fait. Donc là, je vais pas monétiser les vidéos parce que je trouve que ça sert pas à grand chose. D'ailleurs, dites-moi si les pubs qu'il y a pu avoir à cause de la monétisation, ça vous a gêné. Parce que j'ai pas mis des grosses pubs, j'ai mis des petits trucs pas méchants. Ensuite, donc les fiches, quoi ça? Donc les revenus là qu'il y avait écrit là, vous avez pu voir les revenus parce que je suis sûr que vous étiez en train de regarder ça en détail. C'est exactement ce que j'ai gagné. Hein. Exactement presque. Ensuite, aucune activité. C'est quoi cette chose? Donc, j'ai parlé de ma chaîne YouTube. Il faut savoir qu'aussi, je. Il y a un orage. J'ai envie de faire ça parce que je vois que mes vidéos elles font de plus en plus de vues au fil du temps. Plus en plus. Avant j'étais à 80, maintenant les vidéos basiques, on va dire, Fun et Clutch, c'est 111 vues. Donc, ça commence à augmenter. Donc, j'ai en profité justement de cette ascension de ma chaîne pour la booster en mettant les vidéos dans. Donc, ceci dit, on est maintenant sur mon site. Donc, si vous voyez mon site, vous allez dire, je vais vous demander qu'est-ce qui va pas. Et vous allez dire, il n'y a rien qui va pas en fait. Il n'y a pas un bouton de traviole, il n'y a pas un problème. Et bien, en fait, ce que j'ai trouvé sur le site, c'est qu'il était chiant. Il était chiant, tout simplement. Il est chiant. Alors, pourquoi? Bah, parce que là, vous venez ici. Enfin voilà, c'est pas accessible. Il n'y a rien qui est accessible. L'accessibilité est dégueulasse en fait. On veut aller quelque part, on va compter les chargements, on se dit mais c'est quoi ce truc? Hein, on va pas cliquer dessus parce que c'est pas ce que c'est. Alors il y a des choses super utiles dedans. Il y a les guides et astuces CSGO aussi. Ça, à mon avis, personne ne le sait qu'il y a ça ici, mais alors que c'est bien travaillé. Il y a des tutos écrits, il y a plein de trucs. Donc je vais rendre accessible, comme ici, là, comme ces quatre choses là. Je les ai rendus accessibles. D'ailleurs, je vais enlever le service de graphisme. Le boost, je vais le laisser. Ah, le boost, c'est quelque chose qui est tabou, hein, je vais pas en parler. Sachez que ça a marché, hein, contrairement aux avis. C'est juste pour me faire de l'argent de poche ou de l'argent tout ça. C'est un petit bonus, on va dire. C'est un petit bonus. Et généralement, les boosts, c'est pas des gros trucs. Hein. C'est des gens qui ont perdu leur DMG, qui veulent revenir DMG. C'est des gens qui ont perdu un suprême, qui veulent récupérer le suprême. Bon, je sais pas le boost suprême. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça. C'est des gens qui veulent rejouer. Enfin, c'est pas du boost méchant s'il veut un DMG. Hein, voilà. Donc,
tant de données de stats qui est parlé. Donc je vais rendre le site beaucoup plus accessible, comme vous allez voir Banana Gaming, Gaming TV. Donc c'est le site, c'est son site qui m'a fait réfléchir en fait. Lui, il n'y a pas grand chose au niveau des... Vous voyez ici, moi il y a plein de trucs, beaucoup, beaucoup. Lui, il n'y a presque rien. Mais il y a... Il y a presque plus de choses que mon site en fait. Alors l'accessibilité est parfaite en fait. Donc là on va média, hop, il y a plein de choses. Le site est simple, il y a beaucoup beaucoup de choses dedans. Donc je vais faire la même chose. Enfin je vais pas faire une copie de site, hein. Voilà, merci. Je vais faire un truc super accessible, super facile. Je me demande même si je vais carrément changer le design du site, complètement tout refaire. Hein, je me demande bien, ça pourrait peut-être rendre le site plus... Enfin quoi, il y aura beaucoup de travail sur ce site. L'IP risque de... L'adresse risque de changer peut-être, je sais pas. Étant donné que je vais garder faire une petite sauvegarde. Donc là, fini de parler du site. Maintenant les vidéos. Donc les vidéos, je travaille actuellement sur une vidéo best-of des vacances. Elle va être violente. Ensuite, sur les 10 conseils CSGO pour en cup. Enfin, les 10 conseils à avoir, peu importe votre rank. En matchmaking et les 10 choses inconnues numéro 2. Donc voilà, c'est trois petites vidéos. Donc sachez que les 10 conseils, tout ça, ce sera 10 conseils et 10 choses inconnues. C'est pas des vidéos qu'on fait en une journée, quoi. En fait, faut trouver les choses inconnues parce que je vais pas sur un site et regarder 10 things inconnues CSGO. Je les trouve moi-même au fil du temps et je les écris au fur et à mesure dans les dans des bloc-notes. Du coup, on a tout de dit. Sachez que après que j'ai vu ça, Road to Global. Ah oui, on va parler de la team. Road to Global. Sachez que je suis très proche du global, mais très 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 proche. Donc, si je suis pas global mercredi, ou je sais pas quand, c'est que j'ai été pourri. Parce que je fais des très bons scores contre des global. J'arrive à faire 7 étoiles MVP, 25 kills. Bon, score c'était 8 kills, mais sachez qu'on a gagné la partie. 8 kills, ouais, je me suis fait défoncer, mais sinon je fais aux alentours de 20 kills voire plus, donc je suis bien. Maintenant on va parler de la team, hein. De la team. Donc la team, oui, elle s'agrandit, la team, malgré tout elle s'agrandit. Et oui, donc on est actuellement 5: Falcon, HSX, Tcherny, Tridzi, moi. On est 5, donc ça fait une line-up, hein, tout bien. Mais on va recruter d'autres gens à partir du niveau LEM. LEM, c'est Legendary Eagle Master, parce que tout le monde est dans ce niveau là. Donc dans la team, c'est LEM Supreme Global Elite. Bon, il n'y a pas de global encore, peut-être moi bientôt, ouais. Bon voilà. Donc je suis en train de recruter des gens. Donc si vous voulez, vous avez le niveau LEM, voire ELE, ça peut passer, Legendary Eagle. DMG, ça passe plus parce que c'est un peu trop bas, parce que les gens ils voudront pas jouer avec vous s'ils sont LEM et vous êtes DMG, quoi. Si on perd une la game, ils vont perdre sur leur rank, alors vous... Donc c'est à partir de LM voire ELE, mais ce sera ELE, Legendary Eagle, c'est... Ce sera des petites exceptions, mais généralement on recrute à partir de LM. Donc on en a 3 qui sont en train d'être recrutés. Il y en a 2 là qui viendront là. Donc ils veulent vraiment venir, donc nous on attend juste de leur dire que c'est bon. Et il y en a un autre qui risque de venir. Donc on a... Dans la team, on a que des bons joueurs, en fait. Que des bons joueurs. On n'a jamais des gens qui se font carry ni rien. Un coup c'est l'un qui carry, un coup c'est l'autre. Un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Jamais le même, en fait, qui carry. C'est super. Bonne ambiance de team en général. Précédemment, il n'y a pas eu une très bonne ambiance, tout ça, parce qu'on avait fait une petite série de loose, genre 5 loose d'affilée. Alors qu'on... C'est parce qu'on sortait de 10 ou 15 matchs gagnés d'affilée, en fait. Mais sinon, l'ambiance de team, c'est bien. C'est... On perd, c'est pas grave, hein, on gagnera après. Hein. Non. De toute manière, on en gagne plus que ce qu'on perd. Donc au niveau de la team, j'ai tout dit au niveau de mon tube, de l'annonce, tout ça. Donc les vidéos, il y en aura une par semaine. Parce que je suis plutôt le genre de youtubeur qui met une vidéo par une semaine. Parce que je mets vraiment l'accent sur la priorité. Sur la qualité. Il y a des youtubeurs qui vont sortir une vidéo tous les deux jours et elles seront pas phénoménales. Hein. On voit ça généralement avec les youtubeurs gaming, Call of Duty, qui mettent un gameplay en fond et qui récite un site où il y a écrit les 10 aventures les plus incroyables, tu vois. On voit bien ces chaînes là sur PlayGeek TV, tout ça, hein. Ça, des vidéos qui... Je les reste... Non.
Bon, ils font beaucoup de vues pour pas grand chose, je trouve. Bon, on va parler d'autre chose. Donc, je suis plutôt youtubeur qui fait des vidéos une semaine. Vous voyez les podcasts, les gens qui font des podcasts, tout ça, là. Généralement, ils font des vidéos, elles sont très bien. Hein. Genre Cyprien, par exemple. Ils font des vidéos, elles sont super bien. Sont super bien travaillées. Mais il en sort pas, il les sort pas tous les jours. Hein, donc moi je serais plus sûr du genre youtubeur en fait. Je vais mettre, je pense, je vais garder le rythme d'une vidéo par semaine, mais elles seront beaucoup mieux. Je vais changer le format. FSC, je vais changer un peu aussi. FSC, je vais changer, je vais faire plutôt un peu comme d'autres youtubeurs CS:GO, c'est mettre vraiment le meilleur dedans, mettre vraiment le meilleur. Le meilleur, c'est-à-dire je sélectionnais quoi les meilleurs trucs. Donc je tourne autour du pot comme je fais d'habitude pour toutes mes vidéos et ça depuis que j'ai commencé, ça m'énerve. Donc je pense que j'ai tout dit. Je pense avoir tout dit. Si quelqu'un me donne un couteau, je le prends direct. Non, en fait, parce que je suis en manque de couteau. Enfin, voilà. Donc du coup j'ai tout dit. Donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout, parce que vraiment si vous avez regardé jusqu'au bout, c'est que vraiment merci. Hein. Donnez beaucoup vos avis, vraiment c'est grâce à ça que j'ai voulu aussi. Donc il y aura une vidéo qui va sortir cette semaine, ce sera le best-of des vacances cette semaine ou la semaine prochaine, mais ce sera une de la monétiser celle-là, hein, parce que ce sera une vidéo. Ce sera l'une des vidéos les plus fun de. Ce sera la vidéo la plus fun de ma chaîne. Voilà. Je dis. Tant on se retrouve. J'espère qu'il y a le hype là qui se met en place là. Vous avez envie de la voir et vous avez envie que ça arrive. Bah faites des donations, donnez-moi des couteaux, des skins CSGO et puis je l'uploaderai plus vite. Bon allez. Et du coup j'ai changé mon format de description aussi, mais ça on s'en fout un peu. Allez. Bah merci d'avoir regardé et puis vraiment merci hein, jusqu'au bout. Vraiment, regardez jusqu'au bout, vidéo comme ça. C'est que vraiment, ça montre que vous suivez le youtubeur. Voilà, merci. 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 Allez. Bonne journée et bonne rentrée. Enfin, bonne chance.